Jésus. Alors, nous sommes dans une série actuellement. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Je pensais que j'avais terminé la série la semaine dernière. J'avais peut-être mal expliqué les choses. C'est 7 esprits ou 8 esprits, voire 9. Je ne sais plus comment je vais définir. J'étais d'abord allé sur 7. Après, j'ai vu qu'il y avait plus. On ne va pas forcément faire de façon exhaustive. 7 esprits qui nous combattent et qui combattent nos destinées. On avait commencé par l'esprit de peur. Et on a continué sur l'esprit de timidité qui lui ressemble sur certains aspects. Et l'esprit de timidité, on l'a fait en 2 volets. Le premier et le deuxième volet, on a terminé la semaine dernière. Et ce matin, je veux m'atteler de partager avec vous pendant ces quelques minutes. Peut-être qu'on fera 2 parties, je ne sais pas. Sur un autre type d'esprit qui est récalcitrant et qui combat nos destinées et qu'il faut absolument et absolument terrasser. Amen. Et pour cela, nous allons lire, j'espère me retrouver dans mes notes, Genèse 4. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Important de lire la parole de Dieu debout, par respect pour la parole. Nous allons lire Genèse verset 1 au verset 4. Je vais lire dans la version Semeur. Je sais que pour beaucoup, vous avez certainement la version 8 secondes. Je vais lire dans la version Semeur. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Verset 4. Abel de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage s'assombrit-il? Ou encore est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Dans la version seconde, elle est écrite donc vers toi, domine-le, domine sur le péché. Verset 8. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Quel piège. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demandait à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre, mon Dieu. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Acclame le Seigneur et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais te parler d'un esprit très dangereux. Aussi dangereux que les 2 premiers esprits qu'on a vus. Je crois vous l'avoir dit ou peut-être pas.
que la plupart des esprits qu'on va voir sont des esprits qui étaient au commencement. Parce que il faut toujours identifier le commencement comme étant l'origine de pas mal d'affectations ou pas mal d'intronisations au niveau spirituel. Et cet esprit que nous allons identifier aujourd'hui, qui est un esprit très dangereux, était déjà dès l'origine. L'histoire que nous venons de lire, nous la connaissons tous, est l'histoire du premier meurtre de l'humanité. Et ce meurtre n'a pas commencé plusieurs générations après. Ce meurtre a commencé tout de suite après que Adam et Ève, ou encore les premiers enfants, les premiers êtres qui sont nés, ou encore qui ont été formés, donc ces premiers êtres qui sont nés, le premier meurtre a été commis par des générations après, mais le premier meurtre a été commis juste après la génération d'Adam et de Ève. Premier meurtre de l'humanité commis. Et ce n'est pas un meurtre commis entre deux ennemis ou encore entre deux amis, mais c'est un meurtre commis entre deux frères. Et la Bible prend bien la précision que ce sont des frères. Et elle mentionne même, parce que lorsqu'on voit au début du verset, on ne dit même pas Adam et Ève, fils de père ou mère de Abel, de Caïn et Abel. Le lien que l'on met, c'est frère. Abel, frère. Caïn, frère. Et c'est important de comprendre que ce meurtre n'a pas été fait sur deux personnes qui ne se connaissaient pas, mais au sein de la même famille. Je vous emmène quelque part. C'est un meurtre entre deux frères. Un meurtre entre deux frères de la même famille. Pas deux enfants qui vivent dans la même maison simplement, mais deux frères. Et laisse-moi ce matin te parler d'un esprit dangereux que j'appelle l'esprit Caïn. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. L'esprit Caïn, c'est un esprit très fort. Donc, la Bible parle de ces deux frères, Caïn et Abel, l'un qui était berger et l'autre cultivateur. Ils sont dans deux professions différentes. L'un s'occupe des animaux et l'autre a un contact direct avec la terre. Le problème commence quand ? Le problème ne commence pas quand ils sont nés. Ils sont nés dans la même famille. Ils ont certainement eu la même éducation. Le problème ne commence pas quand il devint cultivateur ou encore berger. Mais la Bible, alors qu'on a commencé à lire cette version semeur, le problème commence et se déclenche au bout d'un certain temps. La Bible dit au bout d'un certain temps. Ce n'est pas quand ils étaient enfants, quand ils avaient les mêmes avantages. Ce n'était pas quand ils travaillaient chacun de leur côté. Mais la Bible dit qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché cela. Et on va le voir. C'est au bout d'un certain temps, comme la Bible dit, que les problèmes ont commencé. L'esprit de Caïn est un esprit qui ne se révèle jamais au début. Mais il attend le temps favorable pour se montrer, pour se manifester. Il attend le temps favorable pour se dévoiler. C'est un esprit tellement patient que tu ne peux pas savoir qu'il va ou qu'il est déjà avec toi ou qu'il est dans ton atmosphère. Caïn et Abel grandissent dans la même maison. Chacun a son travail, un qui cultive et un qui garde les animaux. Cet esprit a attendu le moment favorable. L'esprit Caïn. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir la manifestation de cet esprit. C'est quand même assez étrange quand on en prêche, on commence à avoir dans le prophétique que le Seigneur nous aide. Donc c'est un esprit patient qui ne se manifeste pas dès le début, qui se manifeste au bout d'un certain temps. Deux frères,
tout se passait bien. Mais il y a eu quelque chose qui était caché dans le sein de Caïn qui s'est manifesté au bout d'un moment, au moment favorable. Pas au moment où ils ont commencé à travailler, pas au moment où ils ont commencé à cultiver, à labourer, pas au moment où ils ont commencé tous deux à saigner, à suer. Mais quelque chose s'est passé à un moment précis. C'était au moment de la récolte. Je ne sais pas si vous savez où je vais en venir. Les deux se battaient, les deux travaillaient, les deux faisaient des choses, mais l'esprit Caïn était encore endormi. Il ne pouvait pas se manifester. Il se battait, il suait, chacun faisant son travail. Mais c'était au moment de la récolte. Au moment de la récolte, les problèmes ont commencé. Lorsque Abel offrit sa première brebis, et lorsque Caïn a offert son premier champ, lorsqu'ils ont semé, il n'y avait pas de problème. Le problème a commencé lorsqu'ils ont récolté le fruit de leur travail. L'esprit Caïn se manifeste dans vos vies et dans votre entourage, pour les gens autour de toi, au moment de la récolte, au moment où vous commencez à produire des résultats, au moment où vous commencez à vous distinguer, l'esprit Caïn se manifeste. C'était au moment de la présentation de leur offrande que l'esprit Caïn s'est manifesté. Il était endormi pendant longtemps. Tant qu'on sème ensemble, tant qu'on travaille ensemble, tant qu'on vit les mêmes galères, tant qu'on fait les mêmes choses, tu travailles de ton côté, je travaille de mon côté, c'est bien. Mais quand il arrive de faire sortir le fruit de notre travail, de récolter, quand il arrive de présenter cela au Seigneur, au moment de la récolte, l'esprit Caïn se manifeste. Il n'y avait pas de problème avant, mais c'est au moment de la production que les problèmes commencent. Oui, l'esprit Caïn ne se manifeste jamais au début. Lorsque vous êtes encore en train de transpirer, de suer, chacun de votre côté, il est patient. Mais il arrive lorsque les présentations se présentent, lorsque ce qu'on a gagné se présente, le moment où on présente le résultat et le produit de notre travail. C'est là que l'esprit Caïn se lève. Et pour cela, il y a deux aspects. J'aimerais aller assez rapidement parce que j'aimerais qu'on prie. Je sens très fortement cela dans mon esprit. Première chose, ou premier aspect de cet esprit Caïn, souvent le problème ne commence pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque chacun est en train de se battre de son côté. Un entrepreneur qui souffre, qui se bat au début. Une personne qui s'est battue toute sa vie, qui a combattu dans les études, qui a fait beaucoup de choses. Mais le problème commence lorsque le résultat de ton travail commence à être visible aux yeux de tous. C'est là que l'esprit Caïn commence à se manifester. Quand tu te battais et que personne n'était là, quand tu travaillais dans le secret et que personne n'était là, il n'y avait pas de problème. Caïn était dans la même maison que toi. Caïn était dans le même environnement que toi. Certainement, Caïn venait de temps en temps t'aider, puisque tu es son petit frère, puisque vous étiez dans la même maison, il n'y avait aucun problème. Vous avez certainement reçu la même parole au même moment, la même promotion, les mêmes opportunités à un moment donné. Il ne se manifestait pas. Mais c'est au moment où les résultats de ton travail deviennent visibles que l'esprit Caïn commence à se manifester. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je le dis calmement, mais avec une certaine puissance que vous puissiez comprendre. L'esprit Caïn, c'est un esprit de jalousie et de meurtre. Amen. L'esprit Caïn est un esprit de jalousie et de meurtre. Un esprit qui est prêt à détruire son frère ou sa sœur à cause du résultat qui est produit par ses mains. Et c'est un esprit très fort
est très présent dans notre pays, qui a causé bien des dégâts dans les familles, bien des dégâts dans les entreprises, bien des dégâts dans les relations. C'est un esprit très très fort que le diable utilise pour détruire même les nations. C'est un esprit très fort que vous devez combattre et qu'on doit combattre. Donc la Bible dit que Caïn s'est mis à présenter le fruit de la terre. Il était cultivateur. Donc c'était la seule offrande qu'il pouvait offrir à l'Éternel, le fruit de sa terre. Et Abel, lui, c'était le fruit de l'offrande des brebis, une offrande simple. Mais la différence entre les deux, c'est que un a offert le meilleur. C'est-à-dire que Abel n'a pas tout simplement offert un simple animal, mais il a offert le premier-né. C'était le premier-né de ses brebis. Donc le meilleur, la meilleure offrande qu'il pouvait offrir. La meilleure offrande qu'il pouvait offrir à l'Éternel. La meilleure offrande qu'il pouvait offrir. La différence entre Caïn et Abel, c'est que l'un a travaillé juste pour travailler. L'autre a travaillé en donnant le meilleur de lui-même. La différence entre Caïn et Abel, c'est que l'un a étudié juste pour passer du temps et avoir son petit travail et sa petite vie. Mais l'autre a étudié pour être le meilleur et avoir les meilleures distinctions. Mais l'autre a travaillé dans le secret pour produire les meilleurs résultats. Caïn a offert la meilleure de sa production, pendant que Abel a offert une production normale. Et l'esprit de Caïn, en général, prend possession ou pression de cette personne qui sont dans cet environnement-là. On a eu les mêmes opportunités, Caïn. On était dans le même environnement. Moi, j'ai donné le meilleur de moi-même pour avoir les meilleurs résultats. Toi, tu as donné le peu que tu avais. C'est là où l'esprit de Caïn se manifeste. C'est là où il y a la différence. Abel a étudié pour avoir les distinctions, pour se surpasser. Caïn a offert tout simplement le minimum. Oui, la différence entre Caïn et Abel, s'il faut le représenter, c'est que l'un s'est fait embaucher et gagne son 150, son 200, son 300, voire son 400 ou 500. Mais l'autre s'est battu toute sa vie. Il a commencé à travailler petit. Il a commencé à produire de petits résultats au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il arrive à la stature parfaite de l'excellence et commencer à avoir un contrat, deux contrats, trois contrats. C'est à ce moment-là que l'esprit caïen se manifeste chez celui qui était paresseux. Je vous le dis clairement, c'est en général un esprit qui se manifeste chez des personnes qui ne produisent aucun effort. Chez des personnes qui constatent juste et ne produisent aucun effort. Je vais quelque part. Caïn, tu pouvais donner le meilleur de toi, mais tu ne l'as pas fait. Moi, Abel, je me suis sacrifié. J'ai donné le meilleur. Et c'est à ce moment-là que tu viens me créer les problèmes. Quand on était en train de travailler, tu ne pouvais pas le problème parce qu'on était au même niveau. On faisait les mêmes choses dans la même maison. Mais il a fallu que je donne le meilleur de moi, qu'une différence commence à se voir et quelque chose s'est manifesté. La Bible dit que le visage de Caïn a changé, s'est assombri. Un esprit de jalousie et de meurtre. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la jalousie est la piste préférée d'atterrissage de la sorcellerie. C'est la piste préférée d'atterrissage de la sorcellerie. C'est l'antichambre de la sorcellerie en réalité. Oui. Pendant que les autres travaillent, toi tu étais en train de paresser, Caïn. Pourquoi tu te fâches contre moi ?
L'esprit Caïn vient lorsque les uns ont travaillé en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Mais les autres n'ont pas travaillé, mais ils veulent avoir les mêmes résultats. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas avoir les mêmes résultats si pendant que toi tu dormais et ronflais, moi je travaillais. On ne peut pas avoir ces mêmes résultats. Je ne parle pas forcément à un Caïn, je reviendrai sur Caïn. Mais je parle aussi à un Abel ce matin. Je parle aussi à un Abel ce matin. Lorsque tu vois que Dieu a commencé à te donner des résultats, sache, sans vouloir être prophète, qu'il y a quelqu'un dans ton sillage que l'esprit de Caïn est déjà en train de préparer. Sans être prophète, il y a quelqu'un dans ton sillage qui commence à manifester les airs de l'esprit de Caïn. Au début, il est peut-être gentil, mais quand Dieu vient voir Caïn, il dit, pourquoi ton visage s'est assombri? Pourquoi ton visage a changé? Et laissez-moi vous dire que les scientifiques ont remarqué, j'aime beaucoup lire les livres de psychiatrie, de science, parce qu'à l'époque, je voulais faire des études de psychologie, et les scientifiques disent qu'une personne qui est remplie de haine, de colère et de jalousie, développe plus facilement des maladies cardiovasculaires que les autres. Développe plus facilement certaines maladies. Et même au travers du visage, au travers de votre... Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais peut-être en Tanzanie, effectivement. Mais même de façon physique, ça peut se voir. Et Dieu a vu Caïn. Il a dit, pourquoi ton visage est-il sombre? Même dans ton visage, tu peux remarquer l'esprit de Caïn. C'est même physiologique. L'esprit de Caïn. Vous savez, moi, j'ai un esprit prophétique. Et depuis que j'ai l'âge de 15 ans, Dieu m'a fait grâce de quelque chose. En saluant tout simplement une personne, je peux savoir si elle me trahira ou pas. Par exemple, je peux savoir si elle vient avec des bonnes intentions ou pas. Vous pouvez demander à ma femme, elle peut vous témoigner. Oups, elle n'est pas là. C'est le réflexe. Elle n'est pas là. Elle est allée. Elle est repartie en France pour le mariage de sa maman. Je devais aussi y être, mais je ne peux pas à cause de l'œuvre de Dieu. Vous pouvez demander à ma femme. J'ai la capacité, c'est un don, beaucoup long également, de savoir quand je te salue, de savoir si tu pourras me trahir ou pas, de savoir les intentions que tu as. C'est une grâce que l'on a, et pour beaucoup, ça peut être comme un don. On l'appelle le discernement des esprits. Et je parle aux Caïn, mais je parle d'abord aux Abel. Ayez le discernement des esprits pour ne pas subir les affres de l'esprit de Caïn. Voyez-vous, la Bible nous demande d'être bon, d'être humble, de manifester les fruits de l'esprit, d'être agréable dans notre entourage, de manifester l'amour à notre prochain. Mais la Bible ne nous demande pas d'être naïf, bien-aimé. La Bible ne nous demande pas d'être naïf. Et souvent, nous sommes beaucoup naïfs. Un chrétien n'est pas gentil, un chrétien est bon. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Est-ce que je peux le répéter? La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. C'est la bonté qui est un fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'un gentil dit oui toujours comme un bonbon. Il dit oui, il dit oui, il dit oui, il dit oui. Mais la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand les choses ne t'avantagent pas, tu sais dire non. Amen. Je dis que l'esprit Caïn tombe ce matin au nom de Jésus. Tu as le discernement pour sentir dans l'atmosphère l'esprit Caïn. Parce qu'il vient pour te détruire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné son frère dans les champs. Caïn, Abel était naïf. Il a suivi son frère parce qu'il a l'habitude de manger avec lui. Tu as l'habitude de discuter avec lui au bureau. Tu as l'habitude de discuter avec lui, de parler avec lui. Donc quand il te demande de le suivre, tu vas forcément le suivre. Mais bien aimé, il est en train de t'emmener dans son champ. Il est en train de te faire balader parce qu'il a déjà quelque chose à l'intérieur de lui pour tuer ta destinée, pour tuer tes projets. L'esprit Caïn est dangereux. Abel, lève-toi pour voir. Lève-toi pour voir, pour discerner.
Alors que Caïn veut t'emmener dans ce champ, tu as la capacité prophétique avec le don du discernement des esprits pour voir, pour remarquer dans l'atmosphère que quelque chose est bizarre. Oui, je sais localiser l'esprit Caïn au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas travailler toute ma vie pour que cela vienne s'arrêter maintenant. Je refuse cela au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je ne peux pas travailler pour que tu viennes me tuer. Je ne peux pas travailler pour que tu viennes tuer mes projets. Je ne veux pas travailler pour que tu viennes... que Dieu te donne le discernement maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne demande pas d'être suspicieux sur tout le monde, mais que Dieu t'ouvre les yeux pour voir. Mais le problème, et ce qui est vraiment le problème, c'est que l'esprit Caïn se manifeste en général dans le milieu familial. Et c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Parce qu'à un moment donné, je sais que dans le combat spirituel, et je vais m'excuser au nom de certains pasteurs, on a souvent confondu l'esprit et la personne, la chair et le sang. Mon devoir, c'est d'aimer les personnes. Mon devoir, c'est leur donner de l'amour. Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus embrasse Judas. Et à un moment donné, il dit même à Judas, mon ami, oh God. Il n'était pas naïf. Il l'aimait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, souvent dans notre société, dans la dimension du combat spirituel, on a l'habitude de... C'est ceux qui enfoncent encore même plus l'esprit Caïn dans les familles, qui les divisent. Alors que vous avez remarqué que l'esprit Caïn a pris possession de quelqu'un dans la famille, ou encore, l'autre dimension de l'esprit Caïn, c'est des... J'ouvre une parenthèse. Il y a la jalousie qu'on peut manifester simplement, mais il y a une autre dimension de l'esprit Caïn qui est une dimension de sorcellerie. Ça veut dire que les personnes qui le font, font de façon consciente. Et elles arrivent. C'est-à-dire que l'esprit Caïn du début, c'est... Il se manifeste lorsqu'il y a des résultats. Caïn a attaqué Abel lorsqu'il y avait des résultats. Lorsque Abel a commencé à avoir les meilleurs fruits, lorsque Abel a commencé à avoir les meilleures productions, mais l'esprit Caïn dans sa dimension, j'ai envie de dire dans sa dimension Hérode, je vous expliquerai pourquoi. L'esprit Caïn, même quand tu n'as rien, dans sa dimension Hérode, veut déjà t'attaquer depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hérode? Jésus n'était même pas encore né. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas encore les résultats de ton travail. Dans l'environnement, dans l'atmosphère, tu n'es rien. Tu es un petit ouvrier. Tu es une petite ménagère. Tu es un petit employé. Que voilà déjà Hérode s'est levé. Écoutez, Hérode était roi. Il s'élève contre un petit enfant. Comment ça? Parce que Hérode avait la capacité spirituelle de voir l'étoile. Je dis à quelqu'un, alors que je suis dans le film ce matin, quelqu'un, tu es dans une entreprise actuellement et tu ne comprends pas pourquoi ta patronne, pourtant c'est ta patronne de 2 étages, je suis en train de parler à quelqu'un, mais tu ne sais pas pourquoi, elle ne t'aime pas. Tu te dis, mais j'ai même quoi qu'elle va me jalouser. Mais non, ce n'est pas parce que tu n'es rien maintenant. Dans le monde spirituel, elle peut voir qui tu seras. Elle te voit comme un danger pour occuper son poste. C'est pour cela qu'il y a des manipulations. Il y a pourquoi elle est en train de te détester. Tu ne comprends pas pourquoi Hérode détestait un petit enfant. Hérode, tu es sur le trône. Tu es en train d'embêter un bébé qui est né dans une crèche. Même pas un royaume. Toi, tu es le roi. Mais pourquoi? Parce que Hérode avait la capacité de voir avec un ensemble de choses l'étoile. Bien-aimés, vous êtes des chrétiens, vous vivez dans un monde de bisounours. Bien-aimés, il y a des personnes qui ont les capacités de voir votre étoile. Et avant même que vous ne deveniez comme Abel, celui qui produit des résultats, il veut tuer le bébé dans l'œuf, le projet dans l'œuf. Parce qu'il voit que même quand Abel ne s'est pas encore manifesté, je ne veux même pas attendre qu'il se manifeste. Je ne veux même pas attendre qu'il produise les meilleurs résultats.
Mais dès lors qu'il n'est encore rien, dès lors que les résultats ne sont pas encore visibles par les hommes peuvent voir qu'il n'a rien. Mais moi, j'ai déjà la capacité d'arrêter cela. J'ai déjà la capacité de stopper cela. L'esprit Caïn. Et je dis le nom puissant de Jésus, l'esprit Caïn tombe au nom de Jésus. Cet esprit qui crée bien de dégâts dans la famille. Des morts dans la famille à cause de la manifestation de l'esprit Caïn. Des destinées arrêtées à cause de la manifestation de l'esprit Caïn. Et bien aimé, l'esprit Caïn a commencé dans une famille. C'est important, souvent le commencement détruit, décrit toujours la manifestation d'un esprit dans son paroxysme. C'est-à-dire que l'esprit Caïn a commencé dans une famille. Deux frères. C'est comme pour vous dire que ce n'est jamais loin. Mais le problème, c'est que c'est la famille. Comment on réagit? Le problème, c'est que c'est parfois l'ami. C'est la famille, ce sont tes frères qui peuvent te vendre. Joseph, tu es le plus petit, ou en fait tu es l'avant-dernier, mais à cause d'un rêve. À cause d'un rêve. Pourquoi vous combattez celui qui a tout simplement le rêve? Celui qui a tout simplement le projet. Il n'a pas encore manifesté le potentiel de cela, mais déjà des manigances, déjà des choses qui sont faites dans le secret se manifestent. L'esprit. L'esprit Caïn dans sa dimension. C'est ce que je peux dire ça. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit Caïn dans sa dimension de sorcellerie. Ne vient pas par hasard. Trouve d'abord une terre favorable. Ça veut dire qu'il trouve d'abord quelqu'un qui a des prédispositions du cœur, comme Caïn. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, inconsciemment, vous avez été initié à la sorcellerie. Oups, est-ce que je peux aller dans ça? Ok. C'est-à-dire que soit la sorcellerie est héréditaire, soit la sorcellerie se fait par initiation. Celle qui est héréditaire, c'est de génération en génération, comme certains. C'est-à-dire que vos parents ont fait des pactes, ils ont été sorciers de génération en génération. Et même si vous aviez été consacré et que cet héritage doit normalement par le sang venir vers vous, elle trouvera en général d'abord une terre favorable. C'est d'abord un cœur comme Caïn. Un cœur dans le monde naturel, un cœur mauvais, un cœur jaloux, elle viendra facilement s'installer. Deuxièmement, lorsque c'est par initiation, ça peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut se manifester par, pour des personnes qui ont des rêves, quelque chose que vous mangez dans un rêve, quelque chose que vous consommez, souvent de la chair, du sang que vous pouvez boire, ou encore les bains ou les mixtures que vous pouvez prendre. Et lorsque vous commencez à expérimenter ces choses dans des rêves, ça peut être un début d'une initiation à l'esprit, à la sorcellerie. Mais cette initiation ne pourra pas aller à son terme si elle ne trouve pas d'abord la base des bases. Un cœur jaloux, un cœur meurtri, un cœur mauvais. Hello? Hello? Que ce soit héréditaire ou inconsciente, l'esprit de Caïn, qui est le commencement de la sorcellerie, vient d'abord trouver une terre favorable. Est-ce que je peux parler ce matin? L'esprit Caïn, il y a tellement de choses à dire dessus. On continuera certainement la prochaine fois. Mais c'est un esprit qui détruit les familles. Un esprit qui détruit les destinées. Un esprit qui détruit
pas mal de choses qui est à la base du rabaissement, qui empêche à certaines personnes d'évoluer, qui empêche à certaines personnes de stagner. Oui, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis le gardien de mon frère. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est très important dans le monde spirituel. Et on va finir par là parce que je veux qu'on prie vraiment. Je sens dans mon esprit qu'il faut qu'on prie. Surtout pour certaines personnes. Ce que tu ne célèbres pas ne pourra jamais te célébrer. Dans le monde spirituel, lorsque tu es, je prends un exemple, lorsque je félicite mon frère pour sa promotion, alors que je n'ai peut-être pas encore cette promotion et que j'attends quelque chose ou son travail, je suis en train d'attirer les esprits. Quand je l'honore, en fait, je fais la promotion des esprits qui ont apporté sa bénédiction. Ce que tu honores, t'honore. Donc, quand je le fais, je suis en train d'indiquer dans le monde spirituel que je suis la prochaine personne. Lorsque tu félicites et honores le mariage de ta sœur, en réalité, tu es en train d'attirer le mariage sur toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que la bénédiction, c'est un esprit. Et si tu ne sais pas l'honorer au travers de la personne qui la reçoit, elle ne pourra pas te localiser. C'est cela la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit: pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Bien-aimé, lorsque tu es en train de féliciter ton frère, lorsque tu es en train d'encourager ton frère, ta sœur, en réalité tu es en train de construire quelque chose de fort dans le monde spirituel. Tu es en train d'attirer une grâce vers toi. Tu es en train d'attirer la grâce qui est sur elle. En fait, c'est comme sur une liste. Tu es en train d'indiquer au monde spirituel que tu es le prochain sur la liste. Je déclare ce matin que tu n'es pas habité par l'esprit de Caïn. Dans le nom puissant de Jésus, la Bible dit que l'esprit de Caïn est un esprit errant. Quand Dieu l'a maudit, il était errant sur la terre. Dieu l'a maudit, c'est un esprit que Dieu est de toutes ses forces, qui est capable même de vomir. C'est-à-dire que la terre te vomit, la terre te rejette. Ça veut dire que le sang de ton frère parle et parlera toujours contre toi. C'est un esprit très très fort et qui est à la base de pas mal de choses qui ont fondé cette nation dans les profondeurs de l'enfer. Et je dis que ce matin, on doit traiter l'esprit Caïn. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux te lever ?